Si vous avez déjà entendu parler de Sami Laxo, c'est probablement grâce à son jeu à succès, La Vallée des Marchands. Après plusieurs campagnes participatives successives et autant d'extensions, il était légitime de penser que le jeu de deckbuilding minimaliste de Sami finirait par se sentir à l'étroit, tant le monde qu'il a créé, entre Fairy et Loufoque, semblait avoir tous les atouts pour s'épanouir dans quelque chose de plus grand. Mais ce que certains d'entre vous ignorent peut-être, c'est que ce n'est pas la première fois que le Finlandais lance ses animaux facétieux dans le grand bain. En 2018, il a financé sur Kickstarter, en anglais uniquement, Dawn of the Peacemakers. Et quand je dis financé, ça s'est vraiment joué à peu de choses. Alors pour comprendre la genèse et les ambitions de son nouveau projet, Lands of Galzir, actuellement en campagne sur GameFound, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec Sami. C'est alors que j'ai découvert un petit problème. Je ne parle pas français. Hein ? Alors à défaut de pouvoir jouer en live ou même de pouvoir vous proposer une interview qui soit agréable à regarder, j'ai décidé de creuser un petit peu les questions qu'on se pose tous concernant ce projet. Cette vidéo n'a donc pas pour vocation de vous expliquer les bases du jeu comme la page de campagne pourrait le faire, mais plutôt d'aller un petit peu plus loin, de voir si le jeu vaut le coup à long terme et puis pour quel type de public il est fait. J'ai donc le plaisir de vous présenter... Ma journée avec Sami. La première question que j'avais envie de poser à Sami, c'était pourquoi il a été revenu à la charge avec un jeu narratif quand Dawn of the Peacemakers avait tout juste réussi à financer et ce qui avait inspiré sa création. Lands of Galzir se concentre sur l'histoire que vous créez au fil de votre aventure et sur la sensation de liberté en découvrant ce nouveau monde, en vous immergeant dedans. Pour Dawn of the Peacemakers, il s'agissait de prouver que l'on peut révolutionner des genres bien établis et faire des choses assez folles, c'est-à-dire proposer un wargame dans lequel votre but est d'arrêter la guerre. C'était une idée vraiment unique en soi de renverser les poncifs du genre, de faire en sorte que les joueurs ne contrôlent aucune armée. De fait, c'était un projet assez difficile à vendre car le public avait du mal à comprendre ce qu'il allait vraiment backer. Lands of Galzir, de son côté, est bien plus simple à présenter. C'est un jeu d'aventure narratif dans lequel vous pouvez faire ce que vous voulez. Lands of Galzir est un jeu d'aventure appelé ouvert, où les choix sont libres, situé donc dans l'univers de la Vallée des Marchands. Il vous propose d'incarner un animal iconique de la série et de découvrir le monde tout en vivant ses péripéties. Il s'agit à la fois d'un jeu de cartes et de dés, dont la présentation et certaines mécaniques peuvent rappeler le 7ème continent, mais également d'une gigantesque histoire racontée à la façon d'un livre dont vous êtes le héros. Jouable seul comme à plusieurs, en coopération ou de manière compétitive, Lands of Galzir prend le parti, un peu comme Oss, de modifier le jeu et le monde de manière durable selon vos actions, sans pour autant intégrer d'aspect legacy destructeur à ces éléments. Vos actions auront donc des conséquences qui feront évoluer le setup de vos parties, ce quel que soit le nombre de joueurs à la table, sans que vous ayez de stickers à coller ou de cartes à détruire. Le jeu sera proposé en français, le travail de localisation étant effectué par... Lighted Tomat. J'ai demandé à Sami comment il avait choisi ce partenaire et si le fait de confier un aussi gros travail à quelqu'un sans possibilité d'en contrôler la qualité n'était pas un petit peu effrayant. D'abord, Two Tomatoes a d'excellentes références, beaucoup de projets à son actif, comme Pax Pamir et leur travail avec Leader Games. Ils avaient déjà travaillé sur La Vallée des Marchands, mon jeu de deck building, mais à l'époque nous avions choisi un autre partenaire pour la version espagnole. Pendant tout ce temps, nous sommes restés en contact, ils montraient déjà beaucoup d'intérêt pour mes créations bien avant Lands of Galzir. Ils m'ont promis de donner le meilleur concernant cette traduction, mais bien sûr, je dois les croire sur parole. Ils m'ont promis de travailler dur, et en l'état, c'est tout ce que je peux leur demander. Mais sans plus attendre, venons-en directement à ma partie. Faute de prototype et vu l'état de la logistique mondiale, nous avons pris le parti de jouer à distance, avec Sami aux commandes, afin de me faire une idée du jeu et de pouvoir poser toutes les questions que je souhaitais. Nous avons joué en solo avec une partie préexistante, ce qui m'a permis justement de demander à Sami par quelle mécanique le monde se souvenait. Le jeu se souvient essentiellement grâce aux mécaniques de cartes, le fait de placer les cartes à certains endroits. Le jeu propose deux boîtes dans lesquelles vous pourrez organiser vos cartes à votre guise.
Dans la première se trouvent trois emplacements. D'abord l'onglet Quête, le fait de placer des quêtes ici les rend disponibles et susceptibles d'être piochées durant la partie. Il y a ensuite la bibliothèque avec toutes les cartes numérotées, le cœur du jeu qui permet de savoir si une action est possible ou pas pour un joueur. Si la carte demandée se trouve dans la bibliothèque, c'est généralement que l'action en question est possible. Le dernier onglet, c'est le coffre, le purgatoire des cartes, là où elles vont quand l'action en question n'est plus possible. Il arrive qu'un joueur y mette des cartes sans même savoir à quoi elles correspondent, mais aussi qu'il sorte des cartes du coffre pour les remettre dans la bibliothèque. Dans la deuxième boîte se trouvent les onglets de sauvegarde, permettant de retrouver facilement ce que vous aviez lors de la partie précédente. Chaque joueur a son inventaire avec ses capacités spéciales, les compagnons qui l'accompagnent, ses quêtes et les objets de son inventaire. Et sans doute le plus important, le dernier emplacement de sauvegarde, celui avec le globe, est celui où l'on gardera trace de l'état du monde avec le deck d'événements et les cartes villes qui étaient en jeu la dernière fois. À chaque tour, vous aurez la possibilité de vous déplacer de lieu en lieu, soit pour effectuer l'une des trois quêtes maximum que vous aurez en main, soit simplement pour explorer. Comme Galizir se vante d'être un monde ouvert, j'ai voulu savoir s'il s'agissait simplement de poursuivre des quêtes ou si le jeu était plus permissif. Les joueurs peuvent avoir jusqu'à 3 quêtes simultanément, généralement ils en ont 2 ou 3. Et elles peuvent être accomplies dans différents lieux, ce qui va les aiguiller dans certaines directions au fil du jeu. En chemin, vous allez avoir l'opportunité de découvrir de nouveaux endroits et peut-être d'effectuer de nouvelles actions. Vous pourriez par exemple rencontrer un personnage. Dans ma sauvegarde par exemple, j'ai un conseiller. Je l'ai rencontré en chemin pour une quête, quand il m'a dit « Tiens, j'aimerais bien que tu m'emmènes dans cette ville de l'autre côté. » Alors vous pourriez vous dire « Tiens, je laisserai bien tomber mon activité actuelle pour partir avec lui. » Le jeu va vous offrir de nombreuses opportunités en permanence, ce qui fait qu'à chaque tour, vous remettrez en question l'endroit où vous souhaitez aller, que ce soit pour accomplir quelque chose ou juste vous détendre près d'une source et voir ce qui s'y passe. Nous sommes donc en présence d'un jeu à forte composante narrative, faisant penser, comme j'ai pu le dire, au 7ème continent, Sleeping Gods ou encore Tainted Grail, mais aussi d'un jeu d'exploration assez ouvert, laissant libre cours à l'optimisation comme à la promenade, ainsi qu'on a pu le voir dans des succès récents comme The Witcher. Comme dans ce dernier d'ailleurs, le long de votre route, vous pourriez croiser un personnage ou un événement qui va vous convaincre de laisser tomber votre objectif actuel pour aller ailleurs, cassant radicalement la monotonie parfois imputable au genre. Le jeu est conçu de manière à ce que vous n'ayez pas le temps d'explorer toute la carte en une seule partie, et idée assez originale, il permet également aux joueurs de collaborer sur certaines quêtes, même en mode compétitif. Chaque partie s'arrête lorsqu'un des joueurs atteint un certain nombre de points de prestige, mais comme on se trouve dans un monde ouvert, j'ai questionné Samy sur l'intérêt de mettre une fin aux parties au lieu de laisser les joueurs explorer indéfiniment. La réponse est simple. Galzir change et change de manière drastique. Quand vous allez terminer une partie et en refaire une autre, un mois aura passé. Chaque mois déclenchera de nouveaux événements, fera varier les résultats de vos quêtes, changera même la mise en place du plateau. C'est aussi l'intérêt du livre dématérialisé. Selon le moment où vous visiterez tel ou tel lieu, la situation sera différente et l'application permet à l'ensemble du jeu de garder une cohérence. Le jeu de Samy Laxo possède donc plusieurs couches. D'abord l'exploration libre avec les rencontres que vous allez faire et puis les quêtes secondaires que vous allez accomplir. Ensuite votre progression personnelle avec l'évolution de votre personnage et puis votre aventure principale. Enfin en fil rouge, on aura une grande aventure, une grande intrigue qui va animer tout ce monde. Alors j'ai peu d'infos dessus, tout ce que je peux vous dire c'est que cette intrigue va évoluer d'elle-même, mois après mois, au fil des parties. L'avantage de ce type de monde persistant est qu'il est peu contraignant. Vous pouvez jouer à 4 en coopération, refaire une partie solo un peu plus tard, puis rejouer avec l'un des 4 joueurs avec qui vous aviez découvert le jeu. Le temps aura passé, le monde aura légèrement changé, mais contrairement à un jeu à campagne, vous pouvez parfaitement moduler le nombre de joueurs à chaque partie sans frustrer personne, ni amputer la progression du monde. Cela est renforcé par le fait que vous n'aurez jamais que 4 points de compétences, même si vous pouvez les faire changer et que votre équipement vous apportera des avantages en plus. Il ne s'agit pas ici de Power Fantasy, et votre toute première partie ne sera ni plus difficile ni plus facile que la 15ème.
Alors, de par le monde dans lequel on évolue, un monde plein d'animaux mignons, de par la faible personnalisation des personnages ou bien les règles très accessibles, j'ai pu lire ça et là qu'on avait affaire à un jeu familial, voire un jeu pour enfants. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Bien sûr, Lands of Galzir est accessible, ce qui permet d'envisager des parties en famille avec des adolescents, mais le réduire à un jeu du dimanche serait ignorer le travail de l'auteur pour créer un monde riche, complexe et persistant. On peut aimer l'aventure, explorer, se raconter des histoires sans pour autant être un enfant, et c'est exactement à ce type de public que Samy s'adresse. Si les hardcore gamers et les addicts au min-maxing auront peut-être du mal à trouver leur compte, les autres trouveront dans Lands of Galzir un jeu rafraîchissant dans lequel s'immerger à son rythme. À la fois campagne et one-shot, legacy et rejouable, le jeu du Finlandais propose une échappée salutaire dans un monde rempli d'animaux adorables et d'aventures burlesques, loin de la grisaille quotidienne. À l'image d'autres excellentes campagnes comme Earthbound Rangers, il capitalise sur le positive gaming et sur des mécaniques qui s'éloignent de l'écrasement des adversaires à tout prix. Ce qui compte ici plus qu'ailleurs, c'est le chemin parcouru en prenant son temps et en profitant du paysage. Oubliez la gestion d'inventaire, les morts permanentes et les PNJ grincheux, si vous êtes à la recherche d'un jeu narratif qui invite à l'évasion et au rire, seul ou à plusieurs, un jeu malgré tout doté d'une construction solide et d'un monde riche, Lands of Galzir est définitivement fait pour vous. Voilà, j'en ai terminé, mais partez pas tout de suite, j'ai une dernière info de dernière minute. Je vais avoir la chance le 29 août, c'est un dimanche, à 14h, de participer à une partie en live avec Samy Laxo sur la chaîne de Snowdell Design, donc l'éditeur. C'est une partie qu'on va animer en anglais, bien sûr, mais comme je serai là, je serai aussi ravi de répondre en français à toutes les questions qui pourraient être posées. Je mets le lien dans la description. Sachez que si vous loupez le créneau ou si vous voyez la vidéo trop tard, ce lien mène aussi à la rediffusion de la vidéo. Vous pouvez donc aller y jeter un œil pour vous rendre compte de ce qu'est Lands of Galzir. D'ici là, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt.